Coucou tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve sur Professeur Layton et la boîte de Pandore pour l'épisode numéro je ne sais pas combien. Pourquoi? Parce que j'ai enregistré plein d'épisodes là à la suite. Il y a l'épisode 8 qui va sortir je crois, j'ai déjà fait le rendu de l'épisode 9 et l'épisode 10 est enregistré. Donc celui-ci est de l'épisode 11 si je ne me trompe pas. Précédemment, bon on s'en fout. On a besoin de toutes les pièces du puzzle, enfin de la photo. Et donc on s'était arrêté ici. On doit apporter la viande au chien. Au chien. Si lui chien. Et donc voilà, waf gru 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 gru. C'est le moment. Luc jette lui le morceau de bœuf. On va essayer d'avancer un peu dans cet épisode parce que j'ai l'impression vraiment sur les derniers épisodes que j'ai vraiment genre appuyé, mais genre très fort sur le frein à main. Et non, sur la pédale plutôt. Appuyer sur le frein à main. Oh là là. Oh là là. Ah ben voilà, il aime ça le petit chien. Oui, je roule déjà. Je crois que ça a marché. Waf waf. Je pense qu'elle est très occupée pour... je pense qu'elle est trop occupée pour grogner sur les passants maintenant. Nous pouvons enfin visiter le reste de la ville. Non mais, franchement. Ça c'est un peu abusé quand même quoi. Un chien qui les empêche de passer, enfin je sais pas, tu shottes une fois bien dedans dans ses, dans, sur sa tronche là et c'est bon quoi. Shotter c'est, enfin, c'est, comment dire ça en français? Parce que bon, shotter, c'est, je sais pas si ça se dit en français, enfin en vrai français, voyez? Je sais pas si c'est genre quelque chose qu'on dit, je sais pas, en Belgique ou plus précisément près de chez moi vu que j'habite très près de la frontière flamande. Et ah bah déjà une photo. Est-ce que ça pourrait être un morceau de la photo, je crois. Bien vu Luc, je vais le mettre dans ma valise, c'est plus sûr. Oui, encore plus que 14 morceaux. On en doit trouver des pieds tétouettes. Trop bien. Je suis trop content. Et de... Et de... Ah, de croyer tout trouver là. Non. Pas là. Et tous les dalles. Ah, près de la madame là. Non. Ah, ici par terre. Mais what the fuck? Merci. Près de la madame. Non, mais aussi, s'il vous plaît, si je suis pas très énergique dans cette vidéo aussi, désolé si je dis plein de choses, genre je dis que j'ai appuyé sur le frein, enfin, sur la pédale de frein. Mais aussi, malheureusement, il s'est passé quelque chose de très très malheureux. Hier. Je risque de perdre une personne très chère pour moi, donc voilà, c'est pas facile. Je crois que je vais en faire une vidéo prochainement, une vidéo uniquement dédiée à ça. Et ouais, voilà. Ne vous inquiétez pas trop, hein, par contre. Voilà une savoureuse énigme. Votre objectif est de déplacer les crêpes empilées dans l'assiette bleue pour les empiler dans l'assiette rouge à droite. Cependant, il y a quelques règles à suivre. Vous ne pouvez déplacer qu'une crêpe à la fois. Une crêpe ne peut pas être placée sur une crêpe plus petite. C'est comme avant. Oups, on va mettre là. Ah oui, putain, c'est déjà plus dur. Je crois que je l'ai mal fait. Genre, on va d'abord mettre ça là, puis 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 ça là, 17. Je crois que c'est le minimum. Voyons si ma théorie est la bonne. Je crois que c'est le minimum. Ne vous inquiétez pas pour ce que je viens de dire. Tout à fait remarquable. 15 déplacements. Bah, j'ai fait 2 de trop. Waouh, vos gestes étaient si rapides que l'on aurait dit que vous jongliez avec les crêpes. La prochaine fois que je fais des crêpes, vous aurez le droit de vous servir à volonté. Vous n'auriez pas trouvé un petit bout de photo? Non. Ah, encore une photo. Enfin, un morceau de photo. L'image a l'air plus ou moins intacte, même si, s'il y avait de l'eau.
et de 2. Réfléchissons. Peut-être par ici. J'ai toujours pas pensé à calibrer mon écran. Je suis très intelligent comme vous... Ah, voilà. On a le choix. Bon, allez, on va aller à droite. Ah. Oh, bonjour, messieurs. Hé, hey, je vous connais, vous êtes la fille de monsieur Anderson. Oui, je m'appelle Katia. Qu'est-ce qui vous amène à Folsens? Désolé, je ne peux pas en parler. Excusez-moi, je dois reprendre mes recherches. Au revoir. Katia, attendez une seconde. Qu'est-ce que vous cherchez? Waouh, elle est vite partie. Dès le départ, Katia avait donc l'intention de se rendre à Folsens, tout comme nous. Eh bien, je pense à présent de connaître l'identité de la troisième personne enquêtant sur les coffrets. Alors Katia est aussi sur la piste du coffret céleste? En tout cas, nous ne pouvons pas exclure cette possibilité. Professeur, je vois un morceau de photo là-bas. Au travail, Luc. Je vais le mettre dans ma valise pour ne pas le perdre. Bla 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 bla. Ah, une petite photo. Et de une. Et de deux. Et de trois. Du. Photo numéro 3. Ruelle sombre. Alors, quels sont les différents? Et voilà ma réponse. Et de une, la marche était moins grosse, moins haute. Tout est moins haute. À une solution. Voilà, la marche était moins haute, la poubelle est fermée. Voyons si c'est bon. Trop facile. Puis la dernière, c'est souvent la plus difficile à trouver. En effet. Merde, attendez, je vais juste vite faire aller supprimer des trucs là parce que sinon l'enregistrement va s'arrêter. Enregistrement. DX Story. Voilà, comme ça maintenant vous savez quel programme j'utilise. Vas-y, je peux supprimer ça. Voilà. Parce que sinon on va être dans la merde. Voilà, merci. Oups. J'ai commencé à 13h57. Okay. Je suis très limité en temps aujourd'hui, en fait. Parce que là, j'ai commencé à 13h57. Là, il est 14h06. Et c'était pour quelle heure que je devais partir? Pour 15h... 15h20, je crois que je devais partir, quelque chose comme ça. 15h11, je dois partir. Donc, c'est dans un peu plus d'une heure, mais bon, quand même. Je ne vois pas la... Ah, si, je la vois. Trois fenêtres au lieu de deux. Et voilà ma réponse. Mais je sais plus laquelle est l'original et laquelle est modifiée, en fait. Toute énigme a une solution. Je dirais que celle-là est plus, entre guillemets, naturelle. Enfin, les trois fenêtres l'une à côté de l'autre, ça me... Attendez, on va voir maintenant. Hein. Ah non, c'est celle d'en haut. Wow, bon, je trouve ça un peu bizarre et la marche est un peu très très grande. Enfin, elle me semble très très haute, mais... Après, ce n'est que mon avis, quoi. Mon avis... Compte pourquoi? Hein? Rien. Rien. Ah, ben, trois pièces SOS, ça fait plaisir. Ah, et on va pouvoir rentrer à l'intérieur. On va d'abord parler à ce gentil monsieur qui s'appelle Grisou, Folsens, la ville pavée d'or. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelait, la ville à l'époque. J'ai travaillé dans la mine qui lui a valu ce surnom, du moins, jusqu'à ce qu'elle ferme il y a quelques années. Aujourd'hui encore, je surprends parfois des voyous qui s'y faufilent pour voir ce qu'il reste.
Il n'en rapporte jamais rien, ça je vous le garantis. Oui, nous avons entendu des rumeurs sur la fortune qu'a laissée le duc Van Herzen. Alors, vous faites partie des chasseurs de trésors, hein? Dans ce cas, écoutez-moi bien, l'argent n'est pas dans cette mine, et dans le château du duc. Évidemment, ce sera difficile d'y entrer, étant donné qu'un vampire y réside. Moi, c'est bavardé, il faut que je découvre d'où vient ce morceau de papier que j'ai ramassé. Ça, je peux vous le dire, c'est l'un des morceaux de la photo que nous cherchons. Oh, alors c'est à vous, n'est-ce pas? Eh bien, je ne pense pas en avoir besoin, alors prenez-le. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. On n'a pas rencontré quelqu'un en chemin encore, à part la dame qui était... Non, je crois pas, parce que là où il y avait la fuite d'eau, il n'y avait personne. Ok, merci beaucoup, monsieur. J'aime pas la musique. Ça fait très genre endroit final de Layton. Et voilà un autre morceau de la photo. Dites donc, l'inspecteur en a fait du chemin. Vous voyez, genre, toute la tour dans l'épisode 1, dans le 3, on peut pas vraiment dire c'est quoi l'endroit final. Enfin, je peux pas vous dire c'est trop quoi l'endroit final. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ah, mais non, par exemple, ici, celui-ci, on imagine que ce sera peut-être le château, l'endroit final, enfin là où tout se jouera, d'après ce qu'on entend. Mais avec le vampire, mais on peut pas confirmer. Ouais, il y a vraiment des objets d'art inhabituels ici. Je ne sais même pas pourquoi quoi penser de ce château. De quel tableau tu parles? De celui-ci? Est-ce que ces formes étranges seraient une sorte de code? On dirait que tu viens de découvrir une énigme. Oh. Figure étonnante. Alors, une série de figures ont été numérotées et disposées dans l'ordre indiqué ci-dessous. Comme vous le voyez, la figure qui devrait apparaître en première position a disparu. Pouvez-vous dessiner la figure qui devrait occuper cette place? Touchez la figure en utilisant votre stylet dans la zone prévue à cet effet. Ok, donc on peut par exemple... Ah ouais, ok, c'est comme ça. Ok. Alors là... Alors là, aucune idée. Non mais genre vraiment aucune idée. Attends, le truc là avec le morceau de bois là ou je sais pas quoi qu'il fallait retourner et que ça faisait un chiffre, c'était facile. Là je vois absolument pas le truc en fait. Attendez, je vais juste descendre ici un peu parce que tu dès que me fais chier. Aucune fiche tridée, hein. 3. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le nombre de... petits traits? Là, c'est un... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne vois absolument pas. Je ne vois absolument pas le délire. Bon, j'ai vu. J'ai vu. Attendez, pas que je me trompe. Voilà. Si vous regardez uniquement cette partie-ci, vous voyez quoi? Attendez.
Non, parce que... C'est mon stylet qui est mal calibré, ok? Si vous regardez uniquement cette partie-ci, vous voyez quoi? C'était plus facile, c'était mieux de faire l'autre, mais bon, c'est pas grave. Si on masque toute cette partie-ci... Si on masque toute cette partie ici, si on masque toute cette partie là, si on masque toute cette partie là, et si on masque toute cette partie là, vous voyez B, C, D, E, F, et donc le premier, c'est A. Voilà ma réponse. Ah. Je suis le digne apprenti du professeur. Cette étrange série de figures correspond en réalité aux six premières lettres de l'alphabet tracées à la manière des chiffres sur un radio-réveil digital. Et auxquelles on a appliqué un effet de symétrie. Comme le montre l'image ci-dessus, les lettres B à F sont déjà présentes, il est donc facile de déduire que la figure manquante doit correspondre à la lettre A. Oh, je comprends maintenant. On a récupéré un truc pour noter. Ah, ça on l'avait pas. Si si on l'avait. Ah merde. Ah c'est sympa. On essayera de faire du thé par rapport à ce que les gens demandent. Hein. Pas genre essayer de faire tout d'égout. C'est moi maintenant, c'est la forme d'un chapeau. Genre... Ah non, je tape dessus. Que genre ça fait comme ça. Enfin, vous voyez... Est-ce que j'ai des notes ici? Non, il n'y a pas ça. Je sais pas si c'est dans Destin Perdu ou si c'est dans un autre qu'on peut aussi mettre des notes là. Putain, il nous reste quand même 10 morceaux à trouver. Hein. On n'a pas dans la poubelle par hasard? Non. On sait jamais, hein, on sait jamais, parce que 10 morceaux, ça me paraît vraiment énorme. Déjà, on en a un là. Ensuite, on va pouvoir prendre une photo. On est bloqué, là? Ah oui, on est bloqué. Voilà, c'est très très inquiétant, hein. Qu'est-ce que... Ah oui, appareil photo. Bah, c'est ça, hein, du coup. Dépôt d'ordures. J'ai... Hop, retiré. Bouteille. Oui. La bouteille. Ah ah, tout à fait remarquable. Ah, les lumières sont allumées. Voyons si c'est bon. Ce n'était pas si compliqué. Ouais, ouais. Toi, t'as rien fait, mon petit look. C'est maintenant, comme j'ai dit, que ça devient plus difficile. Qu'il n'en reste plus qu'une et c'est pas forcément la plus facile à trouver. Pareil qu'il y en a des qui disaient « Mais moi, comment tu peux pas voir ça? Comment ?» Je parie que... Toujours comme ça. Hein. Ça a toujours été comme ça. Je parie que sur les Lettons, il y a vraiment des gars qui crient derrière l'écran. Sur moi. Je sais qu'il y en a une qui reste, mais j'ai envie de les faire quand je suis sur la zone. La dernière fois, je l'ai oublié. Je suis désolé, donc je le ferai. Bah, par exemple, quand j'y repasse, quoi. Je sais pas. Donc, va chercher une fois vite fait les pièces SOS. Oh putain, une énigme. Oh, une énigme cachée. Ah, bah c'est sympa. 118. Sus au détritus. Je n'aime pas cette énigme.
Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ça, même lui, il galère. Mais moi, j'ai pas envie de suivre un tutoriel de In58, ouais. J'ai tout annulé en plus. C'est ça le pire. Non, passe pas. Putain, t'es nul. Ah ok, mais lui il avait fait dans l'autre sens, ok. Ok, ok, ok. Attends, j'allais reproduire ce que lui fait. On dirait un pro, lui, le gars. Mais des solutions et tout sur Internet, mais quel truc. Ensuite... voilà. Oups. Un truc genre comme ça, là. Là où il en est. Oui, t'as 20 déplacements, moi j'en suis à 60. Voilà, et c'est à ce moment-là qu'il fait le switch. Et que voilà, c'est GG well played, hein. J'ai même plus besoin là. Je sais comment ça va se terminer. Thank you. Désolé, franchement. Mais là, ça me bloquait trop. Ça me bloquait. Contribuez à garder votre ville propre. Très bien dit. Je suis désolé, franchement. Cette énigme m'a donné mal à la tête. Tu as bien raison. J'espère ne pas voir un truc détritus 3. Du coup, je ne sais même pas combien de pièces SOS j'ai trouvé ici dans Star. J'en ai déjà trouvé 2. Randomly. Juste après la résolution de cette magnifique énigme. Et je crois que je vais en rester là. Alors, il nous reste quand même 7 photos, hein. Oh là là, quelle mine affreuse, quelle horreur. Bonjour madame, ça sent drôlement bon ici. Oui, ce sont sans doute mes crêpes, elles sont délicieuses, mais j'ai l'impression que tout ce sucre est mauvais pour mon teint. Non madame, vous êtes rayonnante. Eh bien, il me semble que le thé a parfois des vertus bénéfiques pour la peau. Puis-je vous offrir une petite tasse? J'en serais ravi si seulement ce que vous dites pouvait être vrai. En tout cas, ça ne me coûterait rien d'essayer. Alors, vous savez s'il existe un thé qui rend la peau douce et remonte le moral? Ce serait bien. On va essayer ça, douce énergie. Non. Je sais pas si ça va passer. Nope. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rends la peau douce et remonte le moral. Adoucis la peau. Thank you.
Non plus. Donc c'est une combinaison entre les deux. Madame, c'était fait pour vous. Ah voilà, fantastique. Gertrude reprend des couleurs. Elle a l'air plus détendue. C'est bizarre, on n'a que très peu de photos. Oh putain, je croyais qu'il y avait que cet endroit-là. Moi, je sais pas où il est passé, l'inspecteur. Si on l'a vu, on doit répondre à son énigme. Great! J'avais commencé à quelle heure, moi? 57? 58? 57. 8, 38. Donc, ça fait 40 minutes, à peu près. Donc, on va bientôt à s'arrêter. Bref! Le circuit représenté dans la bulle à gauche a été conçu de telle manière que lorsque les connecteurs A et B se touchent, la lumière s'allume. Maintenant, regardez bien le circuit au centre de l'image. Cette lampe possède trois connecteurs, notés A, B et C. La lumière reste allumée quels que soient les connecteurs reliés A et C, A et B ou B et C. Sachant cela, comment allez-vous relier les fils sous le circuit pour que la lumière s'allume? Pour que la lumière s'allume. Dessinez la solution qui requiert le moins de connexions possible. Les lignes rouges en pointillés indiquent les connexions connues. Ça, il y a déjà... Attendez. Je suis vraiment pas très bon pour ça. Mais c'est le moins de trucs possible, donc ce n'est pas ça. J'ai pas envie de relire. Voilà, merci. En ne reliant qu'un seul fil.
Oui, je suis confiant. Bien, nous pouvons écarter cette théorie. J'y comprends rien, cette énigme, honnêtement. Honnêtement, je vais pas vous le cacher, j'y comprends rien, cette énigme. Mais genre rien et du voilà tout. Voilà ma réponse. Oh là là. Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. Oh putain, mais je suis con. Je suis con. Voyons si ma théorie est la bonne. C'était débile. Désormais. C'était débile. Allez vous faire foutre. Mais genre très. Ça commence par un P, mais ça termine par rondément. Profondément. Ça c'est pute et pas drôle. Le truc avec les narines, c'était drôle. Ça, toi, Lucas, t'es un perso de merde, là. Vas-y, donne-nous notre bout de photo et t'auras pas de thé, méchant garçon. Toi, t'as pas une petite photo, là, pour nous? Donc en fait, il a dit que Monsieur Beluga est aussi le propriétaire du musée. Je me demande si à un moment on va devoir rentrer dans ce musée. Je me souviens pas honnêtement. Ok, donc il n'a pas été jusqu'ici. Non, t'auras pas de tasse de thé, toi, méchant garçon. Ah, une photo. Une tofo. Bonjour, mademoiselle. Ok, elle parle du château, là. Enfin, de l'accès au château. Elle n'a pas changé de texte depuis la dernière fois. Vos gueules, les pompiers, là. Bon, cet épisode sera un peu plus long. Hein. Bon, il y a eu un épisode de 59 minutes, vous allez me dire, donc ça va. Ok, donc pas d'énigme ici. Pas de photo ici. Pas de photo ici non plus, on ne peut pas passer plus loin. Est-ce qu'il a été dans le magasin d'ail? Bonjour mon ami Gregorio. Non, c'est pas Gregorio, c'est... Aiolo. Putain, comment j'ai pu oublier son nom? Comment ai-je pu oublier son nom? Sinon j'irai à Hype, je vais bientôt partir, je suis content. Ah, toi tu veux un thé, mais je m'en fous. Désolé, mais là je m'en fous un peu du thé, là. Là je veux juste trouver les morceaux de photos. On peut atteindre Folsens qu'en passant l'endroit col d'une montagne à bord du Molentari Express. Autrement dit, personne n'entre ou ne sort de la ville sans monter à bord de ce train, n'est-ce pas? Oh, je vois que vous avez bien fait votre travail. Oui, je pense que ces faits sont exacts. Vous savez, la mémoire diminue avec l'âge. Même si ça se voit pas, je ne suis plus de première jeunesse. Ce sera suffisant, madame. Si vous êtes sûr du chemin menant en ville, nous vous laissons tranquille. Marton, allons-y. Hein, je veux dire, oui, chef. Suti est parti si vite, j'étais certain de pouvoir le convaincre de se détendre devant le spectacle. Vraiment, certains garçons ne peuvent pas rester en place 5 minutes. Oups. On peut rentrer dans le bar. Luc, reste dehors. Non?
Allez voir là, près de Mamie Mystère. Est-ce qu'il est passé par ici? Je crois pas qu'il est allé chez Mamie Mystère. C'est impossible. Impossible. Moudala. Ah, petit garçon. Jimmy. Et que vous faites là? On aurait dû trouver une, mais oui, ce truc avait été emporté par le vent, c'est ce que vous cherchez, d'habitude je garde tout ce que je trouve, mais je vous donne si vous résolvez cette énigme. Oh, énigme numéro 101, saut de bille. Ça me paraît une énigme très pute. Cette énigme-là, vous la retrouverez beaucoup encore dans ce Professeur Layton, il y aura minimum une 2, voire une 3, voire une 4. Voilà. En fait, les règles de cette énigme classique sont simples. Vous pouvez déplacer les billes sur le tablier ci-dessous à condition de respecter les conditions suivantes. Lorsque vous sélectionnez une bille, vous devez la faire passer par-dessus une autre bille et la faire atterrir dans une case vide. Il est interdit de déplacer une bille en diagonale. Une fois que vous avez terminé votre déplacement, la bille par-dessus laquelle vous venez de passer sera retirée du tablier. Le jeu se termine lorsqu'il ne reste plus qu'une seule bille sur le tablier. Et voilà ma réponse. Ah ah, tout à fait remarquable. Attendez-vous à voir des trucs beaucoup plus complexes la prochaine fois. Je ne déconne pas. Merci pour la photo. T'auras ton thé après toi, mon gars. Les affaires ne vont pas très fort en ce moment. S'il n'y a pas de clients, je n'ai pas grand chose à faire, vous voyez. Menu complet. Ce menu plié en 3 a été imprimé recto verso. Il est donc composé de 6 faces. Félix a besoin d'un grand nombre de copies, mais malheureusement, il est impossible d'imprimer plus de 2 faces à la fois. Pour gagner du temps, il aimerait limiter au maximum le nombre de passages dans l'imprimante pour chaque menu. Combien de passages au minimum seront nécessaires pour imprimer un menu complet? Je n'ai strictement rien compris. Oui. 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 Voilà ma réponse. C'était pas ça. Alors là... Je vous spoil, c'était pas ça. Zéro. Il les écrit à la main. C'était quoi ça? Non, 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 plus sérieusement, 2. J'aurais dit 3. Mais 3 me paraît tellement logique. Qu'il doit y avoir une couille. Voilà ma réponse. Non, c'est 3 alors. Alors là, je sèche. Genre, 3, vas-y quoi. Tu mets une feuille, recto verso, tu mets une autre feuille, recto verso, et tu mets une dernière feuille, recto verso. Et voilà. Voilà. Trop facile. Voilà, après j'ai pas dit quelle feuille recto et verso. Vous êtes mindfuck, hein, vous là. A pas reçu de... T'aurais pas une pièce de photo? Ah, peut-être à l'intérieur ici. Lui, il veut un thé. Pouvez-vous me préparer un thé à la fois sucré et amer, et un peu aigre également, si possible. À la fois sucré et amer. Sucré et amer. Sucré et amer, aigre. Sucré, amer, aigre. Sucré, amer et aigre. Voilà.
Merci. Plaisir amer. Servir. Plaisir amer, servir. I'm tired. Putain, je vais devoir partir en 20 minutes. Ça va être chaud. Devoir m'apprêter vite fait. T'as pas de photo? Putain, il a une énigme. Nya. Donc on va arrêter après celle-ci parce qu'après je vais plus avoir de temps. Je ne vais plus avoir de temps. Ça alors, serait-ce un fantôme? Non, évidemment, le sceptre que vous apercevez, le spectre que vous apercevez devant vous n'est autre qu'une silhouette en bois accrochée à une branche. Vous remarquez que des restes de bois sur le sol. Pouvez-vous déterminer lequel de ces morceaux de bois a été utilisé pour créer la silhouette du fantôme? Vous avez 4 possibilités, A, B, C ou D. Attention, il est possible que le bon morceau soit tombé sur le sol à l'envers. La 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 la. Est-ce qu'il y a des différences avec ses mains? C'est déjà pas A. Parce que A a une longue queue. Donc ce n'est pas A. Ensuite B. Sachant qu'il peut être retourné, comme ils ont dit. Ce ne peut pas être C. Parce que ses bras partent vers le haut. Donc ce n'est pas C. Et puis D et... L'un a 4 CB. C'est B. Parce que D a que 4 doigts. Oui, je suis confiant. GGS! Tout est clair désormais. Oui. 2218. On va s'arrêter là. Je suis franchement désolé, tout un épisode juste pour quoi, 13 photos? 12 ou 13 photos? Non, 12, 11 ou 12 photos. 12 photos. C'est vraiment très très peu. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Moi ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, tout simplement, merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao tout le monde, bisous.